Allô? Salut tout le monde, c'est Thomas Ndjijol. J'espère que vous vous portez bien en cette période de confinement. Je vais vous donner mes petits tops de coups de fil à passer. Je profite toujours de ma promenade avec mon chien Apollo que voici. Apollo, Apollo, mais viens, il n'aime pas trop les caméras. Voilà, Apollo, un bulldog continental que je promène toujours avec mon certificat que voici. Et je profite toujours de ce moment pour passer quelques petits coups de fil aux proches. Le premier coup de fil que je passe en général, c'est à mes parents, papa ou maman dans le désordre. En général, je ne le passe pas de mon garage, mais bon là, Apollo a fait caca et pipi très rapidement, donc forcément, je suis déjà de retour à la maison. Mais en tout cas, voilà, premier coup de fil, c'est quand même les seniors, prendre des nouvelles, s'assurer que tout va bien, et puis voilà, leur faire un gros bisou, je pense que c'est la base. Le second coup de fil, il est pour cet ami, ce proche que tout le monde a, qu'on aimerait voir beaucoup plus souvent, mais que hélas, par la force des choses, le travail, les enfants, la fatigue, on n'arrive plus beaucoup à voir. Pourtant, Dieu sait qu'on l'aime. Bah là, pendant le confinement, c'est vraiment le moment qu'on passe ce coup de fil. Enfin, le dernier coup de fil, il est souvent pour mes enfants. Parce que même s'ils sont à la maison, c'est important de prendre des nouvelles fréquemment d'eux, vu qu'ils sont en bas âge. Ça va, les enfants? Oui, papa. Oui, papa. Ok. Vous respectez bien le confinement? Oui. Pas de bêtises? Oui, papa. Vous vous lavez les mains? Oui, papa. Ouais, ok. Parfait. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. Bisous. Bisous. Bon, bah, écoutez, portez-vous bien. Je vous embrasse. Respecter les consignes et puis on sortira grandi de cette épreuve, j'espère en tout cas. À très bientôt.